À la veille de négociations décisives à Bagdad, Washington augmente un peu plus la pression contre Téhéran. Lundi soir, le Sénat approuvait à l'unanimité une série de nouvelles sanctions économiques contre le secteur pétrolier iranien. En vertu de ce projet de loi, les sociétés cotées en bourse aux États-Unis devront rendre publics leurs liens commerciaux avec l'Iran, en informant notamment les autorités de réglementation financière. Ces sanctions, qui visent cette fois la Banque centrale iranienne, ont un but: pousser la République islamique à cesser ses activités d'enrichissement d'uranium. Mais depuis quelques jours, l'AIE a fait preuve d'un certain optimisme. Un accord est proche, a répété à plusieurs reprises Yukiya Amano, le directeur de l'agence onusienne. C'est l'une des grandes inquiétudes des Occidentaux et d'Israël, l'arsenal de missiles chimiques du régime syrien. Mais d'après le général Yair Naveh, chef d'état-major adjoint de Tsahal, ces missiles non conventionnels sont toujours gardés d'une main de fer par le pouvoir de Damas. L'État hébreu craint bien entendu que ces armes ne soient transférées à la milice pro-iranienne du Hezbollah. Reste que de sources militaires israéliennes, on indique que la Syrie a investi près de 3 milliards de dollars dans l'achat de systèmes anti-aériens extrêmement sophistiqués. Des missiles qui menacent l'aviation israélienne mais aussi l'équilibre des forces régionales. Une situation qui pourrait conduire Israël à des frappes anticipées contre le Hezbollah, si d'aventure ces armes étaient acheminées par le régime syrien. Aujourd'hui, ce sont près de 60 000 roquettes et missiles que compterait l'organisation du cher Hassan Nasrallah, au sud Liban. Le Liban, de nouveau aux portes de la guerre civile. Lundi à Beyrouth, des combats de rue ont de nouveau opposé pro et anti-Assad. Ils ont éclaté après la mort de deux dignitaires sunnites dans le nord du pays. L'un d'eux, le cher Ahmed Abdelwahed, était réputé pour soutenir la révolution syrienne. Ces nouveaux affrontements rappellent ceux qui ont éclaté entre quartiers sunnites et alaouites la semaine dernière à Tripoli, deuxième ville du Liban. Mais cette fois-ci, seules les forces sunnites ont participé. Pendant une bonne partie de la nuit, elles ont affronté le parti du courant arabe, une formation qui soutient le président syrien Bachar el-Assad, et dont le siège a été entièrement incendié et criblé de balles. Au total, ces fusillades ont fait 2 morts et 18 blessés. Les Libanais redoutent que la situation ne s'aggrave comme ce fut le cas en 2008. Cette année-là, les affrontements confessionnels avaient fait une centaine de morts au pays du Cèdre. Thilo Sarrazin, ancien membre du directoire de la Banque Centrale d'Allemagne et personnage par ailleurs contesté, se retrouve de nouveau au cœur d'une polémique. Il affirme que son pays est l'otage de la zone euro et surtout la victime d'un chantage à l'Holocauste. Dans un essai à paraître mardi et intitulé « L'Europe n'a pas besoin de l'euro », Sarrazin affirme qu'en acceptant de renflouer la Grèce, l'Allemagne a révélé sa prédisposition au chantage. Le nouvel essai de Thilo Sarrazin, déjà critiqué en 2010 pour ses thèses sur l'islam et la place des étrangers en Allemagne, a suscité la controverse avant même sa publication. Il est pathétique qu'il se serve de l'Holocauste pour assurer la plus grande attention possible sur ses thèses, a déclaré notamment l'écologiste Jürgen Trittin. Ce n'étaient pas les supporters des légendaires Mets de New York qui étaient rassemblés dans les travées du stade de City Field dans le quartier du Queens, mais quelques 60 000 juifs ultra-orthodoxes réunis pour lutter contre les dangers d'Internet. Seuls les hommes étaient autorisés à acheter leurs tickets pour venir discuter des péchés moraux qui pullulent sur le web, mais à l'extérieur, de nombreuses retransmissions avaient été organisées pour permettre aux absents d'assister au débat. D'après le New York Times, le groupe rabbinique à l'origine de la manifestation serait lié à une entreprise commercialisant des logiciels de filtrage pour les juifs orthodoxes. Le journal a également remarqué les nombreux smartphones rangés discrètement dans les poches, sitôt leur propriétaire arrivé dans le stade. Et pourtant, le rassemblement était diffusé en direct sur Internet.